environ 800 mètres en ligne droite et en direction sud-est de Galatone, Fulcignano a représenté l'emblème d'un modèle de vie profondément imprégné des cultures grecques et byzantines. À son apogée, les tensions entre Fulcignano et Galatone furent encore plus vives, peut-être à cause de leurs différentes origines ethniques, linguistiques et culturelles. C'est ainsi qu'en 1335 se déchaîna une guerre entre les deux populations, qui d'autre part appartenaient au même territoire. Les habitants de Galatone bâtirent Fulcignano et la détruisirent. L'architecture, probablement l'une des meilleures conservées dans le Salento, rappelle à l'esprit l'architecture des châteaux islamiques, comme celle de la terre des Siciles, qui sont influencés par l'architecture orientale transmise par les croisades. La particularité de toute la structure était l'enceinte murale de craie locale. Elle en effet était capable d'intimider les visiteurs pour son impénétrabilité. Elle a une altitude d'environ 8 mètres et une longueur de 75 mètres sur les côtés les plus longs et de 49 mètres sur les côtés les plus courts. L'épaisseur, assez considérable, est d'environ 2 mètres et 60 centimètres.